Il y avait, à Prague, un conteur qui s'appelait Jacob. Et ce conteur-là, c'était un conteur extraordinaire. Il connaissait les histoires les plus magnifiques. Jacob, il savait donner du soleil dans le cœur et dans l'âme des gens. Il savait pourquoi le soleil revient toujours après la pluie, pourquoi il y a des arcs-en-ciel, pourquoi les gens finissent toujours par s'aimer, pourquoi la tendresse est essentielle dans la vie. Jacob, c'était un conteur extraordinaire. Et un jour, Jacob s'est dit, moi, je vais aller raconter dehors. Il faut que tout le monde entende les histoires. Je ne vais pas rester dans une salle. Alors Jacob est sorti. Il est allé dans un petit jardin public à Prague. Il s'est assis sur un banc et il a commencé de raconter ses histoires. Et les gens qui passaient se sont arrêtés pour l'écouter. C'est vrai que les histoires de Jacob, elles étaient magnifiques, belles. Les gens se sont arrêtés une demi-heure. Non, parce qu'après, il y a quand même la vie. Bah oui, il y a les enfants à nourrir, il faut faire la cuisine, le ménage, il y a le travail. Enfin, on ne peut pas rester tout son temps à écouter des histoires. Mais Jacob a continué encore et encore. Le lendemain, il est revenu, il s'est réinstallé sur son banc et il a à nouveau raconté ses histoires. Et d'autres gens sont venus et d'autres gens l'ont écouté pendant 20 minutes. Oui, parce que bon, il y a quand même la vie qui passe. Bah oui, il faut nourrir les enfants, il faut faire à manger, il y a le travail, il faut faire le ménage, etc., etc. On ne peut pas toujours écouter des histoires. C'est pas la vie, ça. Mais Jacob ne s'est pas découragé. Et il a continué. Tous les matins, Jacob s'installait sur son banc dans le petit jardin public et racontait ses histoires magnifiques. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, en hiver, au printemps, sous le soleil. Mais plus personne n'écoutait Jacob. Les gens passaient régulièrement en disant « Ah, ça c'est le vieux fou, celui qui raconte des histoires. » Et puis les enfants commençaient à se moquer de lui. Même ils lui lançaient des cailloux. Même ils le suivaient jusqu'à sa maison. Mais Jacob ne se décourageait pas. Il racontait encore et encore aux oiseaux qui voulaient bien l'écouter. Et puis voilà qu'un matin, au bout de longues années, une touriste est arrivée à Prague. Puis quand elle a eu visité les musées, les églises, elle a dit « Il n'y a pas quelque chose d'autre à visiter ?»« Bon, c'est pas trop, on dit les gens. »« Ah si, si, il y a le vieux fou là. »« Si, comment il s'appelle déjà ?»« Oui, Jacob, celui qui raconte des histoires là. « Allez voir !» Alors, elle est allée voir. Elle est arrivée là dans le jardin public. Elle a trouvé Jacob qui était en train de parler. Et elle s'est assise et elle l'a écouté. Mais vraiment écouté. Et elle a trouvé que les histoires de Jacob étaient magnifiques, magiques, extraordinaires. Les histoires de Jacob, c'était les plus belles du monde. Les histoires de Jacob, ça donnait de la lumière dans le cœur et dans l'âme. Les histoires de Jacob, tout le monde aurait dû les écouter. Mais elle a vu que personne ne les écoutait, que les gens passaient. Alors quand Jacob a eu terminé, elle est allée le voir. Elle lui a dit « Jacob, Jacob, tes histoires sont extraordinaires, magnifiques, magiques. Mais... tu as vu, plus personne ne t'écoute. Je sais, a dit Jacob. Mais alors pourquoi tu continues? Eh bien, a dit Jacob, autrefois je racontais des histoires parce que je voulais changer le monde. Mais maintenant, je continue de les raconter pour pas que le monde ne me change. Et c'est ce que je vais vous souhaiter à vous. Continuez d'être ce que vous êtes. Surtout, ne changez rien. Merci.